Coucou les anges! Alors me revoici dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui pour un unboxing. Voilà pourquoi je suis toute seule, ça sert à rien d'être à deux pour présenter un objet. Mais plus tard dans la vidéo, Mélissa se joindra à moi pour une battle. Donc, vous savez que c'est quelque chose de spécial. Je vous montre la boîte. Vous avez vu la boîte immense? Elle prend tout l'écran. Alors si je ne vous montre pas directement ce que c'est parce que ceux qui verront le nom se diront « Waouh, génial, elle va présenter ça !» Les autres, ben attendez encore quelques instants. Ce que je vais vous présenter ici, ça ne va pas plaire à tout le monde, malheureusement, mais ça risque de plaire à beaucoup, beaucoup de personnes quand même. Allez, on va passer à l'action. Donc, je vous présente Solary. Voilà. Ceux qui connaissent le nom se diront « Waouh, génial, chouette, elle va présenter ça !» Ceux qui ne connaissent pas, on y va. J'ouvre la boîte. Et qu'est-ce qui se trouve dedans? Solary. Donc vous l'aurez compris, ce qui est dedans est super bien protégé. Il y a la boîte, il y a un carton au-dessus. Donc voilà. Et sinon, je vous présente le néon de cuisine. Mais non, je rigole évidemment. Vous avez compris? Regardez, il fait la taille de mon écran. C'est un néon. Mais ceux qui connaissent Solary auront compris. C'est avec ceci, un sabre laser. Alors avant de continuer, je ne sais pas si vous avez vu, je pense que c'était au début de notre chaîne YouTube. On avait déjà fait une vidéo sur les sabres laser avec les néons bleus. Et on avait fait une battle, moi et Mélissa. Donc, si vous avez envie de la revoir, on met ici quelque part et vous pouvez y retourner. Donc, on dévisse. Et on dévisse. Voilà. Ensuite, on met le néon ici. On va chercher le bout. Et on revisse tout ça. Voilà. Le sabre laser est frais. Donc vous avez vu, la poignée et le bout du sabre. Alors je vais vous montrer l'ancien. Je le mets équivaut. Et regardez. Vous avez vu la différence de sabre? Il est immense. Alors pourquoi est-ce qu'on a craqué sur celui-ci? On a craqué parce qu'évidemment le papa aime ça. Mélissa aime bien. Moi j'aime bien, donc voilà. Et ce qu'il a de spécial, c'est que celui-ci est rouge. Mais, je vous dirai après. Vous avez vu? Et vous entendez? Vous entendez le bruit? Voilà ce qu'il a de spécial. Celui-ci peut faire plusieurs couleurs et fait le bruit, ce que l'autre ne faisait pas. Alors vous allez me dire, oui tu l'as allumé, il est rouge. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, je viens d'ouvrir cette boîte avec vous, donc je n'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est qu'on a le sabre laser, le câble pour le chargeur de batterie. On a deux batteries lithium. Et la petite boîte. Où se trouvaient les batteries, je suppose. Oui, c'est ça. Je vous dis, hein, je viens d'ouvrir. On remet ça là-dedans. Et donc, comme je vous l'ai dit, je ne vous ai présenté que ça, donc je viens d'ouvrir. Du coup, je vais vous laisser ici 5-10 minutes. Parce que tout ça marche avec une application sur un GSM. Avec cette application, on peut lui donner des couleurs différentes. Et le bruit, je pense pas à voir. Donc je vais vous laisser quelques instants, je vous reprends avec l'explication de l'application et la battle. Voilà, à tout à l'heure! Donc voilà, je vous parle de l'application. Voilà, ça c'est le premier écran du GSM où on peut voir le logo Solaris, où on peut voir la version connecter le sabre, modifier les configurations et voir mes configurations. Voilà, là c'est quand on se connecte au sabre, voilà ce qui se passe. Et là, on peut modifier ses configurations.
Donc ceci montre qu'on peut mettre d'autres couleurs, d'autres sons. Voilà, là c'est la configuration du sabre. On peut configurer son allumage, son d'extinction, donc le son d'extinction, pardon, et l'option avancée. Bouton désactiver du mouvement ou l'activer, le clash manuel, lumière dynamique. Ça, ce sont les options générales. Ensuite, on arrive là au mouvement, donc la teinte, c'est-à-dire la couleur. Dans les mouvements de couleur, vous avez donc plusieurs couleurs, le rouge, le vert, le bleu. Ce qui veut dire, c'est que vous pouvez mettre les couleurs qui sont au-dessus et les personnaliser. Et alors les coups féroces, c'est-à-dire les coups qu'on peut donner sur un autre sabre. En tapant sur le sabre, ça change de couleur ou ça clignote. Là, nous allons dans les configurations que vous pouvez choisir vous-même. Donc le son, les lumières, vous pouvez en faire plusieurs. Comme vous le voyez, à plusieurs dates. Vous pouvez en configurer une seule, deux, à vous de voir. Et donc pour les configurations, vous avez aussi ceci. L'accueil, mes sabres, mes configs, statistiques, mise à jour, informations. Tout ça peut se trouver dessus. Et ensuite, vous avez les nombres de derniers combats ou les statistiques générales. Les derniers combats à gauche et les statistiques générales à droite. Donc combien de coups de féroce vous avez donné, 109, coups modérés, 89, etc. Je trouve que l'application a une jolie composition, j'aime bien. Voilà, jaune pour terminer cette explication de l'application Solari. J'espère que cette explication vous aura plu. À la suite. Voilà, les explications de l'application enfin terminées. J'ai encore quelques petites informations à vous donner. Donc le sabre laser est fourni avec deux batteries lithium de 6 heures, c'est-à-dire que si vous faites un combat, vous ne devez pas avoir peur une heure après de vous dire « Zut, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de son, ça ne fait pas le fun ». Non, non, vous pouvez combattre pendant 6 heures, ça c'est super bien. Quoi d'autre? Je prends mes petites informations pour ceci. Vous dire que le sabre laser Solari a été conçu avec des maîtres d'armes. Voilà. Et que la lame est en polycarbonate, assure une résistance au choc et les composants internes sont solidement fixés sans soudure afin de pouvoir résister sur la durée de vos combats. Et la lame ne nécessite aucun outil pour être détachée, donc facile à détacher pour être transportée. Aussi, non, encore une chose, cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est vraiment un choix qu'on a fait entre nous parce qu'on avait envie de l'acheter. Et donc tout ce que je vais vous dire, tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est nos avis personnels, donc vous fâchez pas sur nous si on a oublié quelques petites choses, c'est vraiment notre avis personnel, et ben voilà quoi. Alors, si je vous ai déjà parlé qu'au début je pense, ou je ne l'ai peut-être pas encore fait, donc au début de notre chaîne, on avait déjà fait une vidéo avec un combat de sabre laser, donc les anciens. Si vous voulez la revoir, on vous met la petite info là ou là. Sinon quoi d'autre? N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, ce qui vous dira quand nos vidéos sortiront. Voilà. Et sinon, ben, je vous fais plein de bisous. Non, d'abord, on n'oublie pas de liker. Et pour ceux qui découvrent notre chaîne avec cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné, ben, cliquez sur le petit bouton rouge. C'est gratuit et nous, ça nous fait plaisir. Et sinon, ben, laissez plein de commentaires. On y répond toujours. Voilà. Et ben, je crois que la vidéo est finie. Donc, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à mercredi prochain dans la prochaine vidéo. Bye!